Et les gens, bienvenue sur frappe-jeux.fr ou sur mon blog tisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur Assassin's Creed Syndicate sur PC. Donc je rappelle, c'est un jeu qui m'a été offert par Péline. Ah non, c'est pas du fail. Ils disaient c'était pas du fail, c'était volontairement pour montrer que j'étais en train de mâcher. Chez nous, il est 3h20. 22, monsieur, 22. Faut pas l'oublier le 2. À la base, je suis venu. Ouais, mais je suis en train de me balader pour aller chercher ce truc-là. Il est loin. Il est loin. On se promène, on se balade, on cherche des trucs, à droite, à gauche, des petits machins, des. Voilà, j'ai protégé l'habitant, j'ai tué l'habitant. Tu ne dis pas merci Odyssée. Oh, mais pour une fois que c'est pas ma faute. Ça me va moi. Hop là, ensuite on va aller par ici. Parce qu'Isa, vous ne savez pas, mais Isa nous avait déjà dit bonne nuit. Isa nous avait jamais dit bonne, nous avait déjà dit bonne nuit, mais elle s'est rendue compte que. Voilà, quoi que. Finalement, Odyssée l'appelait. La sorcière est encore debout. Alors, nous dire bonne nuit vers 22h30, 23h, un truc comme ça. Elle est encore là. Ah, t'as dit qu'elle est pas dodo? Moi, j'ai vu qu'il y avait marqué bonne nuit. C'est tout, j'ai juste vu qu'il y avait bonne nuit. Moi, j'ai vu bonne nuit. J'ai pas fait gaffe au reste. On appelle ça la vision sélective. J'ai envie d'éternuer. Mais j'y arrive ou pas? Je sais pas. Ah, cette tête que je dois avoir. J'ai envie d'éternuer, mais j'y arrive pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, bonne nuit à toi. Isa, fais de beaux rêves. Ou continue bien Assassin's Creed Odyssey. Vous pourrez pas trouver mieux. Comment ça se fait qu'il soit si haut niveau? Et bien il va se calmer lui. Je fais mal quand même. Hein. À bientôt je pourrai plus les enregistrer, elles s'enregistreront plus. Mais je te fais parfaitement confiance, madame. C'est bizarre de dire comme ça, je te, et ensuite mettre madame derrière. Ça fait très racaille. Eh, hey, t'es charmant, quoi, dame. C'est pas plus tard. Non, mais oui, voilà, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Allez. Bonne nuit, fais de beaux rêves, bon rétablissement. Oh, il y a un coffre là-bas. Je l'ai pas eu, le coffre. Il y a un coffre célibataire, là, ici. Tout seul. Allons le sauver. Si tu descendais, hein. Même à ton 06. Je m'en fous, je l'ai déjà. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas monter sur le truc. Même plus besoin de poser la question. Je l'ai déjà. C'est bon. Là, ça marche plus 06 maintenant. Parce que c'est du 07. Il me semble, hein. Non, toi, c'est bien 06. Eh, ça je l'ai oublié, ce truc-là. Par contre, ils disent qu'il reste un coffre jaune. À moins que je sois pas sur le bon truc, bah non, c'est pas là. Vous voyez un coffre jaune, vous?
Punaise, c'est désagréable de devoir tout chercher sur la carte. À moins que ce soit pas le même quartier, je sais pas. Il y a des gens qui chantent. J'étais pas parti du bon côté. C'est vraiment pas là que je pensais passer, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est marché. Bonjour. Voilà, ensuite, ensuite. D'ailleurs, t'es passé chez Free. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais fournisseur d'accès, selon moi, c'est... C'est un peu selon la zone, t'as des zones où ça fonctionne très bien, là j'ai pas à me plaindre d'Orange du tout. À part un câble, mais en même temps c'est pas de leur faute, tu vois, quand c'est des rats qui bouffent des câbles et tout, c'est, je peux comprendre que ce soit compliqué. Fleur séchée, on a tout ramassé. Ensuite ceci. On ira faire la petite quête à côté si possible. Ça, ça prend de s'assurer. Yes, je l'ai eu. Ensuite, la bouteille. Ça passe. Oula, il y a une montée du processeur là d'un coup. Ouah, qu'est-ce qui lui arrive au processeur? Il se tape un délire. Processeur qui monte à 100%, je sais pas ce qu'il lui prend. Ça calcule autre chose en même temps, je... Bonjour, je suis là pour la bouteille. Oula, il n'y a pas grand monde là-dedans, dis donc. Si, il y en a un petit peu. C'est très sombre. D'accord, ok. Alors ensuite, j'avais dit que je ferais ceci. Là, on a 7 sur 12. Où est-ce qu'ils sont les autres? Il y a que celui-là que j'ai raté. On va retraverser la ville pour celui-là. Peut-être faire ça. 7 sur 12. Ils sont pas tous apparus? Il nous manque des coffres, il nous manque des trucs. Ou alors le quartier est bien plus grand que Whitechapel, il est bien plus grand. Ah mais j'ai peut-être pas la carte de Whitechapel, c'est pour ça. Donc ça ne m'affiche que les trucs à côté desquels je suis passé. Je pense que c'est ça. Pardon messieurs, attendez, je vais juste aller chercher de quoi m'offrir la carte. Bah ouais, forcément, le processeur il a 60%, c'est quand même bien plus violent que d'habitude. Je sais pas, le processeur s'est tapé un délire. Oh ouais, ce soir, je ne bosse pas. Alors, carte au trésor, Whitechapel, le voilà, 1000$, bah parfait. Peut-être pour ça que j'ai pas tout récupéré encore là-dessus. Merci beaucoup. Bah ouais, voilà, ça explique tout, les coffres manquants, les... Mais il manque quand même les affichages. Thank you.
Il reste 3 zones à faire encore. La Tamie, sachant qu'on l'avait commencé, mais on l'a pas fini. Les rats aiment les fruits oranges. Ah, j'ai atteint le fond du paquet de céréales. C'est triste. Ça, c'est de la tristesse. Je sais même pas ce que j'ai mangé aujourd'hui encore. Une quiche serait peut-être pas mal, c'est une quiche. Je sais pas qui c'est. Ce sont toujours des miettes exactes, monsieur. Alors, niveau suggéré 4. Une voiture hantée, un assassin bien là reçoit une lettre d'une parfaite inconnue. C'est beau comme scène, ça. Vous semblez en proie à la fatigue. Tout va pour le mieux? Je n'ai pas un instant à moi. La nouvelle enquête du Ghost Club concerne une voiture. On dit qu'elle est dorée à la feuille. Et qu'elle éblouit les passants quand le soleil brille. Bien entendu, elle est aussi hantée. Voyez où si nous pouvons la trouver. Les voitures de la Poste Royale ont disparu quand le chemin de fer a pris en charge le courrier. Oh, je m'assiérais bien volontiers. Mais le devoir m'appelle. Bah. C'est ça qu'il fallait faire ? Je sais pas. Pour tout vous dire, Clermont-Ferrand est une ville noire parce que la pierre est noire. Étrange. De nouveau dans vos bras, ma cave depuis notre dernière rencontre. Votre absence me plonge dans le désespoir, je vous en supplie. Revenez-moi vite, j'ai hâte de vous voir et d'entendre votre voix. Ne tardez pas. J'attends votre venue et j'offrirai alors votre à vous corps et âme. Je m'offrirai. Mais alors, Fry. Attention le gamin. Attention à la personne qui était là. C'est très volcanique tout 63. Bah, si t'as déjà vu des bouteilles volviques, les volcans qui sont représentés, c'est une photo du Pariou. Donc d'un des volcans qui se trouve par chez moi. Sur Clermont-Ferrand. C'est la chaîne des puits, hein, donc c'est... Clermont-Ferrand est conçu sur un volcan. Et en fait, la pierre noire, c'est la pierre de Volvic. Qui est vraiment toute noire. J'aurais mieux fait de prendre une deux chevaux. Waouh, c'était limite, hein. Mais non! Sérieux! Mais non, j'y crois pas! Oh, comment je suis deg! Elle a glissé! Elle a glissé! Est-ce ma faute si elle glisse? Premier qui répond oui, c'est de ta faute. Je sais pas ce que j'en fais. Ouais, 4, 3, 2, vas-y. Il
glisseuse. T'as Vulcania pour dire à quel point c'est volcanique en enfer. C'est un parc d'attraction basé sur les volcans. T'as le puits de l'Antégie aussi. C'est un volcan à ciel ouvert. Où tu peux voir plein de pouzzolanes. Alors, je sais pas trop quoi le temps à porter. J'aurais dû le tuer, le mec, ça aurait été plus rapide. J'essaie de faire de manière impressionnante. Je suis en train de fatiguer le cheval à fond, quoi. C'est bon? Bien, yes, je l'ai. Puis-je vous faire confiance? Non. Inquiété. Ouais, je suis venu à mon point de départ. Oh, le ciel soit loué. Ce monstre m'aurait obligé à l'épouser sur l'heure. Alors, je dois rentrer chez moi. Je vous ramène, madame, je vous ramène. Alors, attendez, il y a quoi, du coup? On trouve de la pierre ponce dans le puits de Dôme et du bon fromage. Mais il n'y a pas que du bon fromage et de la pierre ponce. Le puits Pariou, le puits de lavage, etc. Mais il y a plein de vieux volcans, notamment le puits de Dôme. Le puits de Dôme qui est quand même très connu. Mais je crois que c'est vraiment le Pariou le plus connu à cause de la volcanique. Parce que le Pariou il sert, comme je dis, de logo à volcanique. Oh, ça fait un petit paquet d'années maintenant qu'ils sont en repos, donc quelques milliers d'années, je sais pas combien exactement, mais s'ils se réveillent, au pire, on crève tous, hein. Moi, ça me réglera des tas de soucis financiers. Comme ça, j'aurai plus besoin de me poser la question de ce que je mange demain, de combien ça va me coûter, à quel jeu jouer après. Ouais, mais le sens il est un peu plus loin, par contre, que la chaîne des puits de base. Ah, je crois que j'en ai renversé une quand même. Je sais pas trop est-ce que je la ramène en fait, la demoiselle là. Enfin, suivant. Tous les avancements. Merci. Vous m'avez été d'un grand secours. Pouvez-vous me ramener chez moi? Je vous dois les remercier. Vous n'avez pas ménagé vos efforts alors que vous ne me connaissiez même pas. Quel est votre nom? Evie Fry. On va ramener tout le monde à la maison maintenant. Eh, hey, ça nous très bien ça, un sandwich au jambon. Arrête! Maintenant que j'y pense, ça serait trop bon un sandwich au jambon. Ça me donne trop envie. Dans les Alpes, tremblement de terre. Ah bon? Quand ça? Allez.
avez protégé ma vertu et vous m'avez sauvé la vie. Je m'appelle Elisabeth. Voulez-vous monter et vous asseoir près de moi, que je vois votre visage? Oh, où est-elle? Cher papa et maman, lorsque vous direz ceci, je serai probablement morte. Je me refuse à l'épouser, épouser le marquis, car j'en aime un autre. Je dois échapper à ce tyran cruel, mais je sais qu'il se lancera à ma poursuite. J'ai si peur. Je vous aime. Adieu, votre fille Elisabeth. Moi, j'y comprends plus rien. C'est la carrefour demain matin. Mais t'as vraiment plus rien à bouffer. Sur le point de vous évanouir. Que diable s'est-il passé? Ce n'était qu'un rêve. Du moins, je crois. Oups. Six points quand même, il y a quoi faire. Je prends un peu les trucs au hasard. Hein. Tu crois? C'est quoi ça déjà? Pas l'assassin. Ça c'est fait, suivant. On va récupérer les coffres quand même qui traînent. Donc même pas quelques pattes, même pas quelques... Vraiment peur. Coffre suivant. C'est pour ça qu'il y avait encore des choses à l'intérieur. Ouais, en l'occurrence, je crois que c'est des volcans en plus. C'est les volcans comme à Pompéi, quoi, qui vont pas cracher la lave, qui vont cracher des. Cette espèce de grande fumée noire qui vient déposer des cendres partout et tout brûler sur son passage. Donc, si jamais un jour ça se réveille, ben vous avez vu Pompéi, bah pareil. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de coup sismique sur Clermont, il n'y a pas eu de petits problèmes à ce niveau-là, donc je me dis que c'est bon, ça passe. C'est pas problématique. J'avais pas vu le message, tu vois, que tu ramènes toute la nourriture. C'est vrai qu'on est encore reparti sur de la bouffe, quoi. Et vous m'avez donné... ça m'a donné tellement envie d'un sandwich au jambon, là. Je crois que je pourrais pas résister. J'ai bien peur de ne pas y réussir. De ne pas y arriver. Je craquerai pour un sandwich au jambon. Motivé à prendre des notes. Ouh là là là, effectivement. À ce stade-là, ça reste un intérêt quasi total. Bon les gars. Comment ça, help? Non, je suis pas d'accord. Sur les rails, comme ça, si on se fait renverser par un train, ce sera pas notre faute. Il fait tellement noir dans le jeu là.
Pardon de vous avoir poussé, madame. J'ai un coffre planqué là-haut. Donc apparemment les machins ils n'apparaissent que quand on est à côté effectivement. Quand on passe pas loin. Sur les touristes. Bonne ou mauvaise chose du coup la fille des touristes. Ça passe. Le prochain coffre est ici. On lâche tout. Pardon, pardon, je ne fais que passer. Voilà. Oh, oh, oh. J'ai un verre. Je me rappelle d'une autre pub. Enfin, une parodie de pub. T'as un mec qui avait... Oh, 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 j'ai un rose. Alors... Ici, bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer. Il faut que je grimpe, ça ne me dérange pas. Je sais pas si existe encore la marque du géant vert. Comme ça fait des années que je regarde plus la télé, ça me dit rien quoi. Ça passe, nickel. Je vais chercher un coffre, ça ne vous dérange pas. Coffre qui serait par ici. Avez-vous vu un coffre? Bah alors logique, tu ne tiens plus ta vue l'heure, il est presque 4h du matin. Ah bah le blas, le coffre jaune. Petit cachotier. Monsieur le coffre jaune qui cherchait à esquiver les présences ici. Oh, punaise. Ça, je suis pas sûr que c'est la meilleure des idées, Urtica. À la télé, il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent passer. Bien plus intéressantes que des lives. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas à la télévision, donc comme ça, ça règle la question. Enfin, j'ai une télé. Traverser de manière plus... Voilà. Attention, je descends, s'il vous plaît. Hop là, ça c'est fait. Hop là. On va revenir à ce coffre-là. On est à 8 sur 12 seulement au niveau des trucs à ramasser. Là, ça me perturbe. Là, je sais qu'il y a 9... Il en restera 3 quand même. Je t'avoue que j'ai pas regardé la télévision depuis 2007. Enfin, pas regardé, faut pas que j'abuse non plus. Il y a eu un ou deux mois où, disons que je l'ai pas regardé chez moi depuis 2007. Ça
Après, quand tu es chez des gens, si tu regardes la télévision, tu la regardes en même temps. Alors quand tu es chez des invités et qu'il n'y a que ça à faire, que tu peux rien faire d'autre, durant un laps de temps, pourquoi pas, quoi. Alors, qu'est-ce que tu m'offres, toi? Ceinture de bagarreur. Là, il y a notre coffre. Quoi que je la fais, on va monter par ici, si possible. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, on n'avance pas vraiment, hein, pour l'histoire. En même temps, j'ai un peu du mal avec leur principe de séquence bizarre, là, j'arrive pas à comprendre. Je préfère quand c'est plus dirigiste. Plutôt que de devoir retourner au train, sélectionner une séquence, séquence 8. Comment on peut passer de la séquence 4 à la séquence 8? C'est ça que je comprends pas non plus. Quel est le rapport entre les deux? J'ai combien en dessous? 11 361. Là, ça fait penser amélioration de bande. Mais non, c'était quoi? C'était pas ça. C'était pas si mal, et ça coûte combien? 8000. Ça peut être intéressant. Il faut que j'aille récupérer les ressources qui sont dans les coffres. Dans le coffre principal. Je sais pas. Comme je te dis, j'ai pas regardé la télévision depuis 2007, donc je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas comment ça se passe. Je sais juste que j'ai regardé des émissions qui sont passées sur des... par exemple, Professeur Moustache, qu'on s'appelle... Coucher moins bête, ou... Vous mourrez moins bête, je sais plus. Voilà, vous mourrez moins bête, mais vous mourrez quand même. J'avais adoré ça comme émission. Avant, t'es accro... Mais en fait, c'est le principe d'être accro à ce genre d'émission. Et c'est pour ça qu'ils les sortent. C'est fait exprès. Il n'y a plus de... Déception. On a récupéré tous les coffres. Donc, c'est bon. Un petit peu envie de se moquer, c'est sûr. Mais je le comprends. Comme je disais, ma soeur nous obligeait un petit peu à regarder ça tous les soirs quand j'étais encore chez mes parents. Ma grand-mère, me regarde aussi. Pour s'endormir. Ben, c'est nécessaire la pub, quoi qu'il arrive. Si tu veux pouvoir fournir du matériel ou passer des films, etc., faut bien acheter les licences, faut bien avoir des droits, faut payer les gens pour les reportages, etc., etc., donc ça réclame beaucoup d'argent. Mais donc c'est normal que ce soit plein de pubs. C'est une deux chevaux, pardon. C'est bon. En route. Non, le problème, c'est pas que ça vous abrutit, c'est que peut-être que vous consommez pas assez d'autres choses derrière. Tout doit se consommer avec modération, que ce soit le jeu vidéo aussi. Peut-être que vous consommez pas assez de choses, c'est pas que vous consommez trop de télévision, c'est que vous consommez peut-être pas assez d'autres choses. Après, je sais pas, hein, mais comme je te dis, j'ai 5 ans de plus, 6 ans de plus.
s'est plutôt bien passé là cette mission. Donc je pense pas que. Que votre génération ne jure que par ça, je pense qu'on leur offre pas assez d'intérêt vers les autres systèmes. Et puis il y a d'autres gens de ton âge que je connais qui lisent énormément de choses. Qui connaissent énormément d'éléments, de bouquins, de machins, de. Donc finalement je pense pas que le téléphone abrutit ou internet abrutisse en fait. Par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le comportement de groupe abruti. Donc pour moi, ce qui abrutit le plus, c'est pas l'utilisation qu'on fait du téléphone ou autre, c'est vraiment ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans les lycées, c'est le fait d'être en groupe. C'est d'ailleurs pour cette raison que les manifestants, enfin que les gens qui doivent gérer les manifestations séparent d'abord les gens. De ton temps, il n'y aurait pas eu de live. Tout court. Déjà parce que de ton temps, faire un live avec le 56K, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Qu'on se le dise. Tout ce que j'ai pu obtenir. Ah mais alors t'es vite, c'est paumé. C'est pour ça. Il est où ce truc? Au-dessus, en dessous ou... Copain. T'es où? Passe le bon bouton. Il est en dessous. Peut-être qu'il faut que je rentre dans ce bâtiment-là, en fait. Il y a pas l'entrée pour ce bâtiment, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, entrez, 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 mais j'ai appuyé 50 fois sur E et elle remonte. Alors je ne maintiens aucune autre touche, hein, je précise. J'ai appuyé sur E dans le vide, c'est-à-dire que j'avançais pas, je reculais pas, je... Elle avait juste pas envie d'y aller, ok. Là-haut. Je t'ai trouvé. Il va falloir que je monte à la main, là. Non. Enfin, à patte. S'il faut monter à patte, on monte à patte, hein. Écoutez. C'est impressionnant ce bâtiment. Ah, peut-être monter un cran en dessous. En trop. Bah non, il est là. Et voilà. 9 sur 12. Bon, ils sont où les 3 autres? Ou 4 autres? Parce que là, je vois absolument rien dans l'environnement. Donc, je ne sais pas. Et je reste planté là. Bon, bah d'accord, je sais pas. Westminster, Strand et City. Le prochain sera lequel qu'on fera? City 6, 8, 9. Donc ce sera sûrement City qu'on va faire après. Bon, on arrive à 40 000, donc je pense qu'on va d'abord aller par là. Et faire ça. Ah mais non, peut-être que j'ai déjà fait en fait celui-ci. Peut-être que je l'ai déjà fait. C'est celui-ci que j'ai pas fait. Et celui-ci est fait. Donc on va se déplacer là-dessus. Oui, je le veux. Comme s'il en pleuvait les écrans bleus. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Ça, on n'aurait pas cette connaissance en commun. Une personne qui a fait des lives de Resident Evil 7 et qui a eu des écrans bleus. Est-ce que son pseudo viendrait pas du Nord par hasard? Mm-hmm.
Non mais... Non. Je me disais aussi qu'on avait ça en commun. Je sais pas si ça peut le faire comme ça là. C'est bon. Il est à nous ce truc. Donc comme je vous dis, on va juste s'orienter par là-bas. Mais je me demande si je vais pas aller voir un commerçant avant. Sur le trajet. Je viens de par là, pourquoi j'ai pas... C'est joli ça comme bâtiment. Voilà. Ah mais cet accent anglais. Bonjour. Bonjour. C'est tellement grande ces rues. C'est impressionnant. Bref, on fait ça et après on passe à du Two Point Hospital. Il se fait tard quand même. 5, 6, ça nous mène vers 6h du matin. Donc si je vais avoir le temps de travailler et tout un petit peu, après, faut que je me bouge les fesses, mon Schtroumpf. Je sais qu'il y a marqué Gotham. Cockham. Americans. Oh, ce bâtiment. Tu sais quoi, on sent vraiment tout petit à côté, c'est. Parfait, monte bien jusqu'en haut. Nickel. Je me dis qu'en termes de jeux vidéo, ça va être tellement compliqué de mettre tout ça en place. Dans la peau de Léon. Mourir beaucoup et j'ai évité de mourir après, car même mort, on me crie dessus. Léon! Je me dis que c'est bizarre ça, là, ça doit vachement retenir l'eau. Et voilà. Repère de bandits. C'est carrément classe vide ici à Londres. Et voilà. Mais tu peux l'avoir, mais ça dure pas longtemps malheureusement. Voilà, donc ça c'est le prochain quartier dont on s'occupera. Le truc c'est que je risque de terminer le jeu avant même d'avoir avancé dans les quêtes, ce serait un peu embêtant. Parce que là, ce quartier est quasiment vide. Celui-ci, il manque pas grand-chose. Il manque les photos. Celui-ci aussi. Mais les photos, je les vois pas. Lui, il manque toujours des machins qui veulent pas apparaître. Donc, je sais pas quoi en penser. Je sais pas où elles sont. Où sont ces éléments manquants. S'il faut que je les cherche à la main... Pff. Non, quoi. J'ai pas envie. Attention, je descends. Allez, monte! Vas-y, lâche tout, chérie. Tu peux te le permettre. Là, idem. Pourquoi tu veux pas lâcher?
va, tout va bien. Ouais, ta chouchotte, il est où le machin? Ça se trouve, il est tout en haut. Parce que là, quelque part par là, il est censé y avoir un truc. Ah bah, il est planqué dessous. Voilà, et une nouvelle fleur séchée. Bon, bien le bonjour, monsieur. Il faut qu'on parle. Déjà, je vais tout ravitailler, voilà. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est les cartes trésors. Et nous sommes dans le City, donc 3500. Voilà, comme ça, au moins, je sais où seront les choses. Strand, Westminster. Voilà, là, maintenant, on a les icônes, normalement, qui apparaissent. Ça en fait des coffres et autres éléments à découvrir. Il manque les photos. Bref, faudra que je regarde ça plus en détail. Du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va passer du Two Point Hospital, pardon. J'espère que cela vous a plu, tout de même, que vous avez passé un agréable moment en compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous quand même. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur FraveStage.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, ciao tout le monde. Salut.